Bonsoir, je suppose que vous êtes le Tingle Dealer et ces messieurs Joe, Manu, très bien. Gentlemen, bienvenue au Tingle Tailor Workshop. Mais je sais très bien pourquoi vous êtes ici. J'ai reçu votre appel de la part du Gold Trader, très bien, qui est votre patron. D'accord. Évidemment, j'ai bien noté tout ce que vous m'avez dit. Et je vous ai fait une sélection parfaite pour vous. Compte tenu, par contre, de votre budget, nous ne pourrons pas faire des retouches sur mesure, mais hopefully, tout va bien aller sur vous. Très bien. Alors, nous allons pouvoir commencer. Je vous prie de m'excuser. Vous voulez quand même les mesures. Mais tout naturellement, messieurs. Il n'y a pas besoin de sortir. Oh, très bien. Très bien. Alors. Vous souhaitez donc que je prenne vos mesures. Pourquoi pas? Nous allons faire ça assez rapidement, si vous le voulez bien. Alors, je vais prendre une nouvelle fiche, juste pour vous. Vous êtes donc le Tingle Dealer, c'est ça ? Nous allons donc pouvoir commencer. Je vais prendre les mesures de votre cou, si vous le voulez bien. Alors, tout d'abord, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous tenir de la manière la plus naturelle possible. Merci. Je vais donc mesurer en centimètres pour vous. Très bien. Et ce sera un 39. Très bien. Je vais maintenant mesurer votre poitrine. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lever vos bras? Oh non. Non, non, je ne suis pas policier. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez baisser vos bras si cela vous inquiète. Maintenant. 86. Très bien. Je vais maintenant mesurer votre taille. Non, vous n'avez plus besoin de lever les bras. Je sais que c'est amusant.
Cela vous rappelle des bons souvenirs. Je comprends. Votre taille est de... 76, monsieur. Je vais maintenant mesurer vos hanches. Très bien. Et nous avons là 87 cm. Parfait. Je vais maintenant mesurer le diamètre de vos cuisses. Pardon, la circonférence. Très bien, je ne mesurerai pas la circonférence de vos cuisses. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre cou et le bout de vos épaules. Ce sera un 15 cm. Très bien, je vais mesurer la distance entre votre cou et votre taille. Et nous avons là un 43 cm. Je vais maintenant mesurer la largeur de votre dos, si vous le voulez bien. Je vais aller derrière vous. Oui, monsieur, s'il vous plaît. J'ai besoin de... Merci. Très bien. Nous avons là 42,5. Je vais maintenant mesurer la longueur de vos bras. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner votre bras? Celui qui n'est pas armé, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Je vais maintenant mesurer la distance entre votre taille et vos genoux. Très bien. Et je vais maintenant mesurer la distance entre votre taille et le sol. Ce sera 99 cm. Très bien. Je vais donc vous récapituler toutes les mesures que nous venons de prendre. Votre nom de client est donc le Tingle Tiller. La circonférence de votre cou est de 39 cm. Oui, c'est beaucoup parce que je prends le col. La circonférence de votre poitrine est de 86 cm. Celle de votre taille est de 76 cm. Celle de vos hanches est de 87 cm. Celle de vos cuisses, malheureusement, n'est pas précisée. La distance entre votre cou et votre épaule est de 15 cm. La distance entre votre cou et votre taille est de 43 cm. La largeur de votre dos est de 42,5 cm. Et la longueur de vos bras est de 73 cm. Je n'en ai mesuré qu'un seul, évidemment. Oui. La distance entre votre taille et vos genoux est de 59 cm. Et la distance entre votre taille et le sol est de 99 cm. Très bien. 100 cm.
Je vais mettre ça quelque part, de toute façon. Vous êtes conscient que ça ne servira pas pour la suite. Alors, nous allons donc pouvoir enfin passer aux vêtements, si vous voulez bien. Nous allons tout d'abord regarder les Marcel, ou débardeurs, comme vous le souhaitez. Puis nous regarderons les pantalons. Oui, bien sûr. Les jogging, comme vous appelez ça. Et enfin, nous verrons les manteaux de fourrure. Et peut-être des casquettes, chapeaux ou bonnets. Et enfin, oui, je sais, des lunettes de soleil. Très bien. Ouais, heureusement que c'est votre patron qui vous paye. Très bien. Nous allons pouvoir commencer peut-être avec les Marcel. Très bien. Alors, j'ai là, justement, je pensais que puisque vous étiez une sorte de gangster, une couleur sombre peut-être pour vous, et je pensais à cette marque parce qu'il a écrit Rebel for Life. Vous êtes un rebelle pour la vie, monsieur. Non, ce n'est pas offensant. Très bien, je le remets à sa place. Je comprends. Peut-être une couleur plus claire. Peut-être. Très bien, très bien. Alors, plus clair que le noir, j'ai bien évidemment le gris. Voilà, c'est un départ de uni. Gris. Faites vite, s'il vous plaît, simplement. Très bien. Alors. Ah, nous avons celui-ci avec des petits motifs de triangle. Cependant, je l'avais réservé pour un autre client. Dieu merci. Très bien. Non, ça ne fait pas pyjama. Que dites-vous? Très bien, nous avons donc celui-ci. J'espère qu'il vous plaira, parce que c'est le dernier que j'ai à vous proposer. C'est un Marcel blanc. Ni plus ni moins. Brilliant. Parfait, j'ai eu peur que vous ne soyez pas satisfait. Très bien. Alors, je pense qu'il n'est pas particulièrement nécessaire de l'essayer. Je ne voudrais pas que vous soyez tout nu dans mon atelier. Il ne s'agit là que d'un débardeur. Cependant, je vais pouvoir le placer sur le mannequin de façon à ce que vous puissiez voir à quoi vous ressemblez d'un point de vue extérieur. Très bien. Malheureusement, le mannequin est un petit peu large par rapport à votre gabarit. Bon, ça va. C'était limite. Très bien. Bon, donc passer maintenant au pantalon. Je vais donc vous en proposer. Je n'ai que les blancs. Parce que ça y est, je me souviens. Pourquoi vous choisissez le blanc au téléphone? Vous m'aviez dit que vous vouliez quelque chose qui ressemble à votre patron. Oui, 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 je comprends que vous vouliez copier, vous inspirer, pardon, de votre patron. C'est très bien. Donc, c'est pour cela que je vous ai choisi uniquement des pantalons blancs. Souhaitez-vous les voir? Oui, je sais, c'est mieux. Alors, nous avons là, monsieur, un pantalon de type jean que votre boss n'a pas choisi parce qu'il était un peu trop casual, mais je suppose que c'est ce que vous recherchez. Oui, ce n'est pas le plus confortable, c'est vrai. Très bien, je vais proposer autre chose. Nous avons celui-ci, légèrement plus doux, car les maillages sont plus serrés. Tout à fait blanc, plus simple, moins casual, plus classe. Ce n'est pas ce que vous recherchez. Je n'en doute pas. Très bien. Bon, alors j'aurais quand même essayé de vous proposer des vêtements qui ne sont pas des jogging. Mais puisque vous insistez, voici un premier survêtement qui est donc un jogging blanc. En coton assez chaud. Par contre, il est de coupe skinny. C'est une coupe slim. Cela signifie que nous verrons. Oui, voilà. Ce que vous appelez vos baguettes.
Non, ce n'est pas The Force. Très bien. Alors, non, je n'aimais pas. Vous préférez quelque chose de plus large pour cacher vos baguettes. Très bien. Je comprends. On fait la même chose. Très bien. Alors, voici un jogging un petit peu large, tout à fait confortable. Je pense que je n'ai pas fait plus confortable comme vêtement de toute ma carrière. Voilà, c'est un jogging blanc, simplement large, chaud quand même. Très bien, vous voulez l'essayer. Super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser là. Et vous pourrez simplement vous changer. Je vais vaquer à mes occupations. Je ne vais pas regarder, bien évidemment. Sorry. Vous souhaitez que je me retourne? Très bien. Faites vite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... de ma pince à cravate? Je pensais l'avoir mis ce matin. Pardon, je n'avais pas vu ma pince à cravate par hasard. Très bien, très bien. Je vous fais confiance. Vous êtes sûr que vous ne l'avez pas? Très bien. Très bien, allez-y, continuez. Oui. Vous avez bientôt terminé, monsieur. Très bien, très bien. Vous me dites quand vous avez fini. Parfait. Je vois donc que ce pantalon vous va tout à fait bien. C'est un, comment vous dites, un jogging. Vous voyez, rien de plus simple. Très bien. S'il vous va bien, je vois qu'il n'y a pas de retouche, évidemment, puisque c'est un jogging. Vous pouvez tout à fait l'enlever et je vais le récupérer et le mettre sur la chaise. En attendant, nous pourrons passer à la suite. Merci, très bien. Encore une fois, je vais me retourner. Oui, monsieur, bien sûr. Vous avez terminé, monsieur? Parfait. Super. Très bien, je vais vous le reprendre. Merci. Et je vais le remettre sur son petit cintre. Très bien. Je vais le mettre sur la chaise. Pardonnez-moi. Ce que j'ai dans le dos... C'est un outil, vous savez, pour travailler. Ce sont simplement des ciseaux de couturier. Oui, oui, c'est de l'or, tout à fait. Malheureusement. Non, je n'avais pas l'intention de vous faire de mal, monsieur. C'est simplement, j'aime, vous savez, garder mes outils à proximité. Par exemple, bon, je vous laisse ça là, j'imagine. Regardez, j'aime bien travailler avec ceci de manière à ce que je puisse récupérer les petites... Non, monsieur, vous pouvez ranger votre arme. Non, 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 je n'ai pas... l'intention de vous blesser, tout à fait, c'est simplement, ça fait partie du métier. Très bien, monsieur, je n'insiste pas. Très bien, oui, j'ai bien compris, les ciseaux sont à vous. Très bien, est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, passer à la suite, monsieur? Très bien, nous avons donc vu les pantalons, nous pouvons maintenant passer au manteau de fourrure. Très bien. Alors, je ne vais pas vous proposer celui-ci, il est un peu trop classe. Vous m'avez dit que vous n'aimiez pas le classe. Très bien. Alors, voici une fourrure sans manches. Voilà.
quelque peu féminine. Non, monsieur, ce n'est pas... Non. Je ne cherche pas de... Que voulez-vous dire? Non, pas du tout. Très bien. Alors, j'ai peut-être celui-ci. Qui vous ira peut-être un peu plus. Il s'agit donc d'une fourrure avec une fermeture éclair, comme vous pouvez le constater. Et des manches, un peu dans le style Teddy, vous savez. C'est une fourrure très douce, en plus il a des capuches, un peu comme si vous étiez dans le hood. Et... Non, vous souhaitez... Ah oui, c'est vrai, quelque chose de plus blanc. Très bien, j'avais déjà oublié. Très bien, alors... Ce que nous faisons dans le blanc, c'est ceci. Très bien, donc il s'agit là d'une fourrure de mouton avec des poches assez larges, c'est bien parce que ça va masquer un petit peu votre petit attaré. Oui, c'est tout... pardon. Vous connaissez le berger? Ah oui, c'est vous qui avez. Je comprends. Donc j'imagine que c'est un petit peu déjà votre veste, malheureusement. Eh oui, très bien. Donc je ne peux pas vous la vendre, parce que déjà, vous connaissez le berger. Oui. C'est vous qui avez tué le mouton, je comprends. Ah, vous ne connaissez pas le berger, juste le mouton. Bon, je vous la mets de côté. Ah, vous souhaitez l'essayer, peut-être. Oui. Très bien, alors monsieur, nous allons pouvoir essayer, s'il vous plaît. Pourriez-vous vous écarter un petit peu, gentlemen? Thank you. Voici votre fourrure. Très bien. Ah, je comprends que vous êtes bien. Elle est très très chaude. Cela massifie un peu plus votre carrure, si je puis dire. Très bien, il n'y a pas de retouche à faire, évidemment. Oui. Ok, je vais la récupérer. Non, vous ne pouvez pas la garder tout de suite. Non, je vous livre l'ensemble dans une semaine. Je vais vous le reprendre. Très bien. Ah. Excusez-moi, monsieur. Une ceinture. Oui, nos ceintures sont ici. Cependant, je ne pense pas que vous en ayez besoin. Que voulez-vous dire par... Ah, je vois, non. Alors, je vais vous expliquer. En fait, monsieur, votre jogging comporte des ficelles. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de ceinture. Eh oui, c'est pratique. Je sais, très bien. Et non, de toute façon, le cuir ne rentre pas dans votre budget. Je suis désolé. Nous pouvons peut-être passer au chapeau, bonnet, casquette. Très bien, alors je pense que j'ai quelque chose qui va vous intéresser. Voilà. Alors, je me suis basé sur notre coup de téléphone, ainsi que sur un petit peu, on va dire, cette visite. Je vous ai entendu beaucoup dire ce mot-là. Alors oui, il n'y a qu'une lettre, effectivement. Un petit peu tout ce que vous savez dire, j'ai l'impression. Voilà, c'est une casquette. Le A est brodé, évidemment. Non, je ne me moque pas de vous, monsieur. Je pense que simplement que ça correspond à votre personnalité. D'accord, je le remets en place. Vous souhaitez un peu d'or? Ah oui, je vois, comme votre patron spécialiste de l'or. Très bien. Alors, au niveau de l'or, nous avons ce bonnet qui comporte un petit logo, voilà, de notre village. Ce n'est pas ici, du coup, je l'ai fait importer. C'est un or, mais c'est un bonnet. Oui, j'imagine que vous souhaitez une casquette. Très bien. Alors, en termes de casquette, je peux vous proposer celle-ci. Voilà, qui comporte un dos en or. Et oui. Absolument. Oui, vous l'aimez bien.
je la mets de côté. Alors, mon cher monsieur, je pense que... Oui, je n'ai pas oublié les lunettes de soleil, ne vous inquiétez pas. À ce propos, je pense que nous pouvons les regarder. Hop là. Alors, je vais prendre ma petite clé. Et nous allons regarder les lunettes de soleil. Très bien. Alors voici ce que nous avons. Nous avons trois paires de lunettes de ce côté-ci, de soleil évidemment, d'autres paires là. Celles-ci ont des cadres en or, mais vous n'aviez pas précisé, donc nous allons voir ce que vous préférez. Je vais laisser moi également vous présenter ces lunettes bleues à gauche et jaunes et vertes à droite. Laissez-moi vous montrer. Alors, voilà. Je pense que ces lunettes, comme vous pouvez le voir, non, ce n'est pas pour vous. Simplement, je vous montre comment associer les lunettes avec une tenue. Vous voyez ? Je me doute que vous vous en fichez, monsieur. Très bien. Bon alors, du coup, je vous propose peut-être ce modèle. Un modèle gangster, again. Très simple, très basique. Comme vous pouvez le voir. Je vous montre sur moi, parce que nous avons à peu près la même forme. Très bien. Non, vous préférez les cadres en or. Je comprends, monsieur. Alors, nous avons dans le même style, évidemment. Celles-ci qui ont un cadre en or. Une monture, comme vous appelez ça. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est très simple, hein. C'est de l'or. Évidemment, oui. Je pense que je vais en parler à votre boss. Je l'ai mis ici. Voilà, le temps de manger. Bien. La petite clé. Parfait. Alors, monsieur, je pense que nous avons terminé. Nous allons donc pouvoir... Excuse-moi. Oh non, non, non. Ces gants sont pour un client. Un autre client. Vous voulez quand même les voir. Très bien. N'êtes pas oublié de sortir votre arme à chaque fois que j'hésite. Très bien. Alors, bien voilà, ce sont des gants pour un autre client. Je vous montre. Voilà. Oui, c'est en cuir. Oui, je sais que j'ai dit que vous n'aviez pas le budget. Mais j'ai bien compris que vous aviez le budget, finalement. Très bien, donc je vous les mets de côté avec les lunettes. Absolument. Oui, c'est qu'avec mes ciseaux. Car, évidemment que... ils sont à vous. Maintenant, je n'ai pas vraiment le choix. J'imagine. Je vous mets ça là. Et je pense que voilà, la tenue sera prête la semaine prochaine. Merci. Au revoir, je vous souhaite une bonne journée.